Ah bon, ben, merci Cyprien pour cette musique. Seulement, moi j'aimerais que tu te présentes un petit peu parce que on te connaît pas vraiment encore. Qui es-tu? Alors, qui je suis? Moi je suis un auteur, musicien, auteur de poésie et auteur de poèmes, auteur de poésie, auteur de chansons aussi. Et je mets des poèmes en musique, des poèmes anciens, des trucs comme ça, voilà. Des trucs qui ont fait chier tout le monde à l'école, bah moi je les mets en musique. Parce que ça me fait plaisir. C'est à peu près tout. Alors, ces poésies, vous pouvez les retrouver dans un recueil qui s'appelle Ad Victorium. Et qu'on peut trouver sur Amazon et c'est tout pour l'instant. Non, et à la main. À la main. Ok. Donc, comment ça se fait que tu es ici? Ouais. Alors moi au début je suis venu tout à fait par hasard parce que je mange souvent dans le coin et voilà je suis arrivé, j'ai vu plein de monde et je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? Et voilà les gens ils sont tous là, ils m'ont dit bah on est là pour changer le monde, plus ou moins. J'ai dit putain vaste programme, c'est cool, c'est chouette, ça m'intéresse. Et c'est vrai que moi j'ai eu toujours des choses à dire, des réserves et du coup j'ai pris la parole quelques fois en AG. Et c'était assez cool, je suis très content de ce qui se passe là. En gros c'était par hasard que j'ai découvert ça, par hasard. Changer le monde aussi. Je pense qu'un artiste se doit de vouloir changer le monde, je pense. Un minimum, du moins apporter sa patte. Je pense qu'on est des gens d'ego, les artistes du moins. Et apporter sa patte, sa vision. Et pourquoi pas traduire aussi les mouvements, les énergies des hommes par des chansons, par des textes. Ça s'est vu souvent, ça se verra encore. Tu m'as dit que la musique était importante dans toute révolte. Et que souvent elle était un lien qui apportait beaucoup à tout le peuple. Alors bien sûr, moi je pense que la musique pour tout ce qui est mouvement, c'est un peu le conducteur, c'est le courant quoi. Avec la musique ça passe, on véhicule des sentiments autant qu'avec des discours bien sentis, bien écrits. Mais la musique c'est quelque chose qui se retient, c'est quelque chose qui se transmet, qui se chante et ça prend les gens dans le mouvement clairement. Ouais. Si on veut te contacter, où est-ce qu'on te trouve? Eh ben on me trouve sur cypremusique.com, musique, M-U-S-I-Q-E, ou alors sur Facebook avec Cypre le musicien en trois mots. Et voilà, et on fait pas mal de concerts, il y a les dates qui sont sur le site, donc du coup cypremusique.com. Voilà. Qu'est-ce que tu penses maintenant sur faisait une petite chanson? Ah oui, je suis d'accord, il n'y a pas de soucis, toujours partout. À toi, vive la musique. Et justement, la chanson s'appelle Ad Victoriam, du titre du recueil. C'est vers la victoire. Chanson un peu de circonstance. Tout est bon. Approchez mes braves gens, venez sans crainte de perdre quoi que ce soit. Ni votre temps si précieux dont vous ne savez que faire, ni ces argents que vous serrez entre vos doigts. Entendez que je vous parle de bouche à oreille, par mon visage et par ma voix. Sans nul intermédiaire que l'étendue de nos regards, bien plus sincère que les images qu'on nous envoie. Si que le ciel s'est chargé de nuages qu'on a repeints en bleu dans votre sommeil, que l'on ne s'interroge pas quand il fait beau, alors on vous fabrique du soleil. Mais que peut bien valoir un soleil
qui sans chaleur diffuse de bien pâle lumière. Au plus sombre des heures, jusqu'à ce que demain soit perdu pour hier. Ad victoriam. Ad victoriam. Comme un trésor de vos parents, comme le plus valeureux des héritages. Et pour le défendre, n'économisez rien de vos vanités humaines. Car dans la simplicité de nos déclins, il n'y a rien que l'on emmène. Ad victoriam. Ad victoriam. Merci Cyprien, le musicien. Allez, merci. Au revoir. Merci à tous et à une prochaine. Merci. Salut à tous, et donc nous allons rendre l'antenne pour ce soir. On a été hyper contents de vous accueillir Place de la République. Donc on se retrouve demain, même heure, même endroit, Place de la République. On vous donnera les nouvelles de nos amis qui sont toujours, excusez-moi, je suis enrhumée, à la place de l'Odéon, à la Comédie Française. Et puis on vous parlera évidemment de la manif qui aura lieu demain après-midi. Merci à tous ceux qui font cette émission. Merci à vous qui nous aidez sur Pot Commun. On vous embrasse, on vous aime. Salut, à demain.